Et du coup, c'est parti, Orcs. Je ne sais pas ce que c'est comme jeu, et on va découvrir tout de suite. En tout cas, l'image et la musique est assez stylée. Pourquoi j'ai mis continue? On va mettre Abandon Run, New Game, voilà. Alors, le jeu pour l'instant n'est qu'en anglais. Stoic Order qui protège les royaumes pendant la 10ème guerre. Utilise les runes de magie pour empower les castos et les warriors. Et hop. Alors, cliquons là-dessus. Je sais pas du tout comment ça marche. Alors, hola. Donc, nous avons des cartes en bas à droite. Nous, attendez, je vais mettre pause tout de suite. Nous avons des cartes en bas à droite. Objectif, survivre à 17 vagues. Ouvrir 3 vaults. On a des cartes à jouer. Cartes de notre jeu. J'aime beaucoup les graphismes, déjà ils changent. On va juste un petit peu augmenter notre tête en haut, parce que voilà, les golds sont là. Ok. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. On peut scroll down. Ça peut penser à Carcassonne, mais... Attendez, j'ai des ennemis qui arrivent. Ah. D'accord, en fait, en fonction de la route... Ok. Ah lol. Mais j'ai débloqué... Mais j'ai mis toutes les vagues d'ennemis, je suis trop con. On va restart. Oui, détente. Ouais, mais c'est Carcassonne sur 20 pour l'instant. Et merci beaucoup, Novadral, pour le 14e mois. Ok. Ah, du coup, c'est notre château qui tape, d'accord. Ouais. Ok. Donc, pour l'instant, on met des trucs. Ouais, y a pas de tuto pour l'instant. On arrive par là-haut. Ouais, il casse tout quoi, c'est des thugs. Et en fait, plus on va loin, plus on les tape. Très bien. Tu veux un brief rapide? Je veux bien. Parce que j'avoue que sans tuto, c'est un peu velu. Mais j'imagine que plus je vois loin, plus je tape loin. De voir un truc comme ça. En gros, pour te défendre, il faut fermer les forteresses avec minimum 2 pièces. D'accord. Genre ça. Ok. Et pour gagner de l'argent, il faut fermer les routes. D'accord. Ok.
Ok. Ouais, c'est vraiment Carcassonne sur 20. Pour le coup. Et du coup, tu peux les tourner, d'accord. Ok. Il faut être ultra rapide pour faire plein de fortresses. Ah yes! Ok, boomer quoi. Complètement ok, boomer. Merci, petit ref 54. Ok. Ah mais c'est sympa, c'est juste que faut aller vite. Bon, heureusement t'as mode pause. T'as un mode pause mais Et du coup là ça tire effectivement. Non, je prends une avance rapide, là je suis normal. Ok, ça revient là. C'est vraiment Carcassonne pour le coup. C'est marrant, c'est ultra Carcassonne. Le jeu de... façon, un jeu de plateau avec des tuiles. Ouais. Je sens que ce sera pas un jeu... Moi-même, c'est un mode pause. Ça va être compliqué pour moi. Merci, petit ref en tout cas. C'est beaucoup. Ah. What? Alors après c'est une alpha, donc c'est enfin avant même une alpha. Mais oui, avec un tuto. Avec un tuto sera plus facile. Oui, là je vais mourir. Ok. Bah le là. Foutu pour foutu. Oh la vache. Après je pense que le jeu est pas mauvais hein. Je pense qu'il doit être super intéressant à regarder si un mec est super fort. Mais c'est compliqué pour moi quoi.
malgré le bouton pause. Voilà, voilà, ouais, c'est... T'as un bouton pause, mais... Là, comme ça, brûle pour moi, c'est un peu violent. C'est comme Ratropolis, faut jouer super vite. Mais Ratropolis, ça va, c'est... j'ai plus de facilité à Ratropolis parce que c'est gauche-droite. Là, je galère plus. Là, je galère plus. On va essayer une dernière. Ouais. Bug. Ah, hop, petit bug sur le blacksmith. Voilà. Attendez, j'ai vu un truc en plus. Là sur le côté, il y aura peut-être plusieurs clans à terme. D'accord, on va essayer ça. Là ça bug par contre, j'ai quelques bugs dans le jeu. Dès que j'appuie sur le bouton Ouais bon, le jeu a encore quelques bugs. Après c'est le premier truc. Alors on va essayer de re-le faire sans problème. Allez. Ouais non ça bug, tant pis. C'est peut-être un jeu qu'il faut mieux jouer à la manette. Et je sais pas si je joue à la manette, certainement. Bon, ça bug, c'est pas grave. Tant pis, c'était Orcs, ça a l'air bien, mais ça a l'air cool, mais il me faudra un mode lent. Il faudra voir surtout comment on se développe sur le temps, parce qu'on est vraiment sur un truc ultra, ultra...